Salut tout le monde, j'espère que l'équipe va bien, de retour dans ma MJ Room pour les Jackson Boxing de Spoonie. Alors aujourd'hui, vous allez voir des vinyles, des VHS, des coffrets, des maxi singles, ça va être le feu, on se retrouve tout de suite après ça. Enfin de retour, vous le savez, j'essaye de varier un petit peu mes vidéos. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, c'est parti pour le premier unboxing. Alors en premier lieu, c'est un truc un petit peu bizarre, mais merci quand même, je remercie la personne. On m'a envoyé ça, voilà, ça là, je vais prendre du bout des WAD, hein, parce que si vous me suivez, vous savez ce que j'en pense. Allez, on cherche une équipe qui gagne, je vous montre ça par là. Ce premier envoi est donc le Thriller 40. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le projet qui m'emballe le plus. Mais regardez, une petite pochette style Sephora, avec les titres derrière, le petit sticker qu'on aime. Allez, c'est sympa quand même, on prend. Donc, merci à la personne qui m'a offert ça. Même si je ne sais pas qui c'est, car lors de l'envoi, sur le fichier expéditeur, ben, il n'y avait rien, aucune adresse. Le deuxième objet que je vous montre, eh bien, c'est celui-ci. Vous savez de quoi il en retourne, ça se passe par là. Il s'agit du 45 tours Say 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 avec Paul McCartney, extrait de l'album Pips of Peace, sorti le 3 octobre 1983. Regardez, c'est magnifique, ce bleu. Les petites inscriptions en japonais derrière, moi j'adore. Donc voilà, vous avez vu, il est super, mais ouh, un pressage japonais. Dis donc Spoonie, les copyrights. Ah merde, ok, je te fais un virement. Allez, on continue, on envoie du lourd. Regardez ceci. N'est-il pas magnifique? Allez, on passe par là. Qui du maxi 45 tours de Another Part of Me, la chanson mythique de l'album Bad sorti le 31 août 1987. Regardez, c'est magnifique. C'est un pressage hollandais. On voit bien le petit détail de la pochette de Bad. Moi, je le kiffe. Cette cover est vraiment sublime, moi je l'adore, Michael, notre roi, dans toute sa beauté. Alors, à tout ce qui se disait depuis le début de la vidéo, mais c'est bizarre, une vidéo de Spoonie sans Dangerous, c'est pas normal. Vous inquiétez pas, on est là. La magnifique, que dis-je, sublime cassette VHS Dangerous The Shorts Film avec son étui cartonné. Elle nous vient des États-Unis et elle est vraiment magnifique. Overwatch, t'as assuré mon pote. Encore une fois, moi, je ne connais rien de plus beau. Et pour faire un petit doublé avec la cassette que m'avait offert mon cri-cri. Salut mon faro, regarde que j'ai un petit colis pour toi. Mais attends, je vais travailler, mais tout d'abord, je me transforme. Bouge pas. Ah, t'es prêt? Allez, je vais travailler. Kamehameha. Et voilà. Eh, t'as vu mon coro, hein? Allez, salut. Oh, merci mon frérot. Eh, livraison rapide, hein, c'est pas comme chez Chronopost. Regardez ça, si c'est pas beau. Allez, on est parti. Le magnifique CD single, maxi single, Jam, pressage japonais, sorti aux États-Unis le 13 juillet 92 et chez nous en Europe le 27 septembre 92. Il est juste top. Voilà, franchement, j'aime bien. Et. Oh, un pressage japonais. Oh putain, Norbert, ta gueule!
cher ces conneries. Allez, après ce petit interlude, on continue avec ceci. Le super 45 tours de In The Closed, extrait de l'album Dangerous, sorti le 26 novembre 91. C'est un pressage espagnol, voyez les dates de concert ici et là, c'est vraiment top. Merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. Et voilà, vous savez, Dangerous, Spoony content. Et enfin, le dernier collector que je vais vous montrer, c'est un collector un petit peu particulier. Ceux qui me connaissent très bien, et qui parlent avec moi depuis longtemps, connaissent cette histoire. Mais franchement, il n'y a pas moyen. Il faut vraiment que je la raconte. Allez, c'est parti. Avant de découvrir cette histoire plutôt poilante, je vous permets de découvrir ce magnifique objet. The Ultimate Collection édition noire. En plus de quelques titres en version longue et démo, ou version non finalisée, de titres connus, The Ultimate Collection contient 9 titres inédits. Sunset Driver, Scarlet of the Moon, Cheater, Monkey Business, Fall Again, In the Back, Beautiful Girl, We Have Enough et The Way You Love Me. Un DVD intitulé Live in Bucharest The Dangerous Tour est le concert issu du Dangerous World Tour enregistré en 1992 à Bucarest en Roumanie. Le coffret dispose également d'un livret de 60 pages qui contient des photos et un texte du critique musical américain Nelson George, résumant la carrière de l'artiste. Voilà, et comme vous le savez, ce collector, il a quelque chose de particulier pour moi. Car il y a plus d'une dizaine d'années, je me trouvais en présence des deux. Et c'était vendu 50 euros pièce. J'ai donc été obligé de choisir entre les deux, et j'ai pris la version américaine, la blanche. Et donc, j'étais dégoûté. Je voulais absolument les deux versions, car la noire, c'est la version américaine. Et donc, j'ai pris la blanche et je me suis dit, je vais filouter, je vais planquer celui-là, aller chercher des sous au distributeur et revenir le chercher plus tard. J'ai donc planqué celui-là dans un bac, vous savez, les vieux bacs qu'il y avait avant, que ce soit à Carrefour ou etc., avec les vieux CD à 10 balles, vous savez, le tout venant, CD DL5, de Laurie, le best-of de Phil Barney, vous voyez, les conneries du genre. Je me suis dit, personne n'ira le chercher là. Je l'ai planqué bien, bien au fond. J'ai couru le plus vite que j'ai pu pour aller au distributeur chercher mon bifton de 50. Je suis revenu, eh bien, dans le cul à balayette avec le manche et l'étiquette. Le coffret n'était plus là et je l'ai cherché pendant des années à un prix correct. Voilà, je vous ai fait la mention de ma dernière vidéo. Vous pouvez la retrouver, le lien passe ici. Voilà, et donc j'ai galéré pendant des années et des années, et un copain me l'a trouvé à un prix correct. Merci à lui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis tellement content de vous retrouver avec ce format, les Jackson Boxing de Spoony. J'essaye de vous varier un petit peu les plaisirs, de vous faire des vidéos réactions, des vidéos dossiers, et des vidéos aussi collector un petit peu, et des lives. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Merci à tous de venir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On est 181. Allez, on me donne de la force. On essaye d'arriver aux 200 très très vite. Merci pour tous les gentils commentaires. Merci à tous les copains qui soutiennent et qui partagent régulièrement. Je pense à Rachel, je pense à Maher, je pense à Pitou, je pense à Maître Renaud, Maître Maury, Roro et tous les copains voilà, qui se mobilisent pour me faire un maximum de pub. Et merci à vous. Je vous embrasse, soyez sages, sortez couverts et on les aura les méchants.